Coucou mes amours et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Team Z. Alors, ça fait un bon bout de temps mes amours que je n'ai pas fait de vidéo. Quelques petits soucis, quelques petits problèmes techniques, mais c'est pas grave, je reviens, je vais bien, je vous donne un peu de glamour, des épaules free et tout. Voilà, un tout petit peu de rouge à lèvres, pas de make-up, nature, boucle et tout, tranquille. Donc, les amours, aujourd'hui, je vais mettre un nouveau contexte. Avec un nouveau concept, je veux dire. Et j'ai pensé qu'avec la nouvelle télé-réalité qui passe en ce moment, je viens vous faire un petit récap, un petit review et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comme d'hab. Donc, la télé-réalité, le jeu, l'émission, c'est la villa, la bataille des couples. Alors, les gars, location en bombe bébé, République dominicaine en fait, Dominicano. Donc du coup les gars s'envolent pour la République dominicaine, franchement une vue de ouf, une location de ouf, une villa de ouf quoi. Franchement, moi je crache pas sur ces jeunes qui font la télé-réalité parce que les gars voyagent, les gars se déplacent, les gars découvrent pendant que nous sur place à critiquer. Donc du coup franchement, si l'occasion m'était donnée de participer à une émission pareille, I'm going, je vais quoi, et puis je profite, je vis ma life, you only live once. Hashtag YOLO. Donc c'est ça, et voilà quoi. Donc pour l'émission, le contexte, je résume un peu plus rapidement de quoi il s'agit. Enfin, c'est un jeu, à la fin du jeu, il y a une cagnotte à gagner de 50 000 euros. Alors on a 8 couples qui s'affrontent à chaque semaine, je dirais comme ça. Et parmi les 8 couples, on a certains couples qui, de toute façon, sont tout le temps recyclés. Les couples qu'on connaît déjà, qui ont participé à N télé-réalité, qui sont toujours là, qui cherchent toujours à ramasser. De toute façon, je ne les en veux pas. Ils ont leur kiff, ils profitent, ils vivent et tout. Donc, je vous présente rapidement les couples. On a Jazz et Laurent. Jazz, que vous connaissez, qui a fait plusieurs télé-réalités, qui a toujours été une ghetto. Franchement, je kiffe pas, je suis pas fan d'elle. Mais bon, voilà, je ne juge pas, je la connais pas. On a Hilary et Sébastien qui également, eux, ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télé-réalité. Cependant, la dernière émission était, on dirait, les apprentis aventuriers. On a Antonin et Manu qui sont aussi un couple qu'on connaît, un couple clé, un couple phare de la télé-réalité. Très mature, très calme, très posé. Steven et Cassandra que je connais pas. Naturellement, on adore Beverly et Vivian que je kiffe quoi. C'est deux bandes de cagoles, deux bandes de fous, mais j'adore quoi. Ils ont un humour pas possible. On a Vincent Chegoun et sa copine Virginie. Ouais. On a Yesta et Benoît que je connais pas également, mais apparemment ils ont fait une émission Koh-Lanta. Et ils ont l'air assez compétitifs et tout, donc pas mal. Et puis on a le couple Tom et Agda qui ont aussi l'air d'un couple super compète, qui s'entend plutôt pas mal et très 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 sportif quoi. Donc voilà pour les couples qu'on a. Et donc du coup ils arrivent dans l'émission et chaque semaine ils ont un thème sur lequel ils s'affronteront pour gagner. Celui-là qui gagne la compétition parmi les 8 couples obtient l'immunité, ne peut pas être touché, ne peut pas être voté, ne peut pas être retiré de... Enfin, ne peut pas avoir des moins sur sa cagnotte, et celui-là qui perd la compétition se verra retirer deux bracelets ou un, dépendamment de l'enjeu qu'il y aura. Alors, le principe, c'est que à la fin de l'émission, il y a 50 000 euros à gagner, et chaque couple au départ reçoit 10 bracelets de couleurs qui le représenteront respectivement. Et voilà, s'ils se voient en train de perdre. Une épreuve et tout, ils se verront retirer deux bracelets ou un bracelet, donc du coup c'est la cagnotte qui diminue, voilà. Et je donne rapidement mon point de vue sur les couples. Alors Jazz et Laurent, rien à dire, je kiffe pas. Hilary, Sébastien, le pauvre Seb, hein, franchement je commence à croire que le mec, franchement je le plains quand même, parce que dans toutes les émissions qu'ils font, Hilary elle a des ex quoi, c'est chaud hein, c'est chaud quoi. La fille elle vit sa vie H24, 7 sur 7. Et le pauvre Sébastien, toujours rencontré un ex à Hilary. Et cette fois-ci, c'est Vincent Chegoun. Anthony Manu, posé, calme, tranquille. Voilà. Steven Cassandra, je connais pas. Mais ça sent le fake. Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de communication entre eux. Franchement, pas cohérent leur histoire. Mais bon, qui suis-je? Beverly, ben, Vivian, voilà, qu'on les connaît, ils se sont retrouvés dans la villa des cœurs brisés. Je kiffe, j'adore, trop con, trop fou, mais j'adore. Vincent Shogun, Virginie, voilà, je connais Shogun, maintenant Virginie, je ne la connais pas, mais apparemment, c'est un vrai couple, d'après ce que je vois, impression que j'ai.
Il y a Stade Benoît que je connais pas, mais apparemment ils ont fait Koh-Lanta et ils ont l'air très 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 compétiteurs comme j'ai dit. Et on a enfin Tom Agda qui vivent ensemble déjà, que je connaissais pas également, mais ont l'air de bien communiquer, ont l'air de se connaître, ont l'air d'être un vrai couple. Donc du coup voilà, mes petits favoris ce seront donc Tom et Agda déjà. Et de toute façon Vivien et Hilary, quoi qu'il en soit, quoi qu'ils gagnent, qu'ils perdent, eux ils me font rire de ouf, trop bête, trop stupide, trop con, trop fou, mais j'adore, j'adore. Donc c'est ça. Alors du coup ils entrent dans la villa, ils se partagent les chambres par affinité. Dans la villa on a quatre chambres puisqu'on a 8 couples, donc du coup on a 2 couples par chambre. Naturellement Vivien, Beverly, Manu, Antonin sont dans la même chambre. On a Jazz et son copain Hilary et Seb qui sont dans la même chambre parce qu'ils ont peut-être plus d'affinité qu'avec d'autres couples. On a Yesta, Benoît et Tom et Ada qui sont dans la même chambre. Je dirais que c'est la chambre pour moi, d'après moi, la plus forte parce qu'ils sont super sportifs mentalement, super stratèges, je me dis. Donc du coup, je pense que sportivement parlant, ils ont l'air d'être la chambre la plus forte. Et enfin, on a la chambre Steven, Cassandra, Vincent et Virginie. Ils se connaissent aussi des émissions précédentes. Donc du coup, c'est ça. Par affinité, chacun se met et ils essaient de remporter et de vivre une très 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 belle aventure. Donc du coup, le moment où je trouve que la prod, franchement, se fout souvent de la gueule des téléspectateurs. Ils arrivent là. On a la coach Love aussi, Lucie, qui est là pour aider aussi, pour accompagner aussi les compétiteurs côté Love, les coachés et tout et tout et tout. Voir si tout va bien, si tout est stable de ce côté-là. Et voilà, ramène des bracelets de différentes couleurs. Et du coup, ils ont d'abord l'air ah ouais, moi je veux le rose, moi je veux du bleu, moi je veux des ci, moi je veux ça. Alors que déjà dans la valise, les gars sont venus avec des shorts de couleurs, quoi. Franchement, ils sont venus déjà préparés. Donc à la base, ils connaissaient déjà c'est quoi leur couleur de bracelet. Donc du coup, arrêtez de nous foutre en l'air quand même, hein. On réfléchit, nous. On réfléchit. Merci. Et pour cette première épreuve, le thème c'est complicité. Donc du coup, ils vont devoir travailler ensemble, être un couple fusionné pour pouvoir remporter l'épreuve. Et je vous jure que déjà là, c'est la galère. Vivien, hyper compète. Mais je kiffe ce Vivien parce que c'est un emmerdeur. Mais côté compétition, il donne à fond, il va à fond, il est focus et tout. Il crie sur la Beverly. La Beverly, de toute façon, elle est blonde. Hein. Qu'est-ce qu'on peut? Elle comprend rien. Elle ne sait pas comment se positionner. Elle n'a pas d'idée. Elle comprend. C'est son homme, c'est normal et voilà quoi. On a les vainqueurs de cette épreuve sont Tom et Agda qui ont franchement super 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 résolu l'énigme. Ils ont été un quoi. Donc c'est ça un couple en fait, c'est d'être un. Communication elle est là, complicité elle est là, complémentarité elle est là, au calme quoi. Et jusqu'ici on sait pas qui a gagné, qui a perdu enfin on sait pas qui a perdu cette première épreuve de toute l'aventure. Et les gars, on sera ensemble pendant toute cette aventure de la villa, la bataille des coupes. J'essaierai de vous faire une review. Et jusque là franchement je suis quoi, enfin, je suis aux anges, quoi. Je la trouve déjà pas mal. Et Vivian, de toute façon, lui, il me régale comme d'habitude avec ses phrases cultes. Trop con, le gars, trop con. Il m'a sorti un petit truc là qui m'a franchement cassé en deux. Il a dit le naturel revient toujours au sabot, mon gars. Au galop, au galop. Enfin, allô, quoi. CM2, t'as fréquenté un tout petit peu. Mais de toute façon, lui, il me régale. J'adore. J'adore. Donc, mes amours. Je vous ai manqué, je sais, vous m'avez manqué de ouf à tout, à vous mes abonnés, mes 37 abonnés que j'ai jusqu'ici, quoi. Je suis aux anges, je vous kiffe, franchement, supportez-moi. Likez si vous avez aimé la vidéo, commentez si vous voulez, et puis surtout, abonnez-vous. On se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée. Bisous! Mouah!